On sait aussi que dans les trois versants de la fonction publique, le recours à l'emploi précaire se systématise, puisqu'on y dénombre aujourd'hui 185 000 contractuels. Autre élément de contexte pour mesurer les attaques de la fonction publique et la cible, entre 2000 et aujourd'hui, le gel du point d'indice s'est traduit par une perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires de 16%. Par ces attaques délibérées et cohérentes, les gouvernements successifs ont mené une action qui a eu pour effet d'ébranler le service public et de remettre en question la qualité du travail des fonctionnaires qui le font vivre. La situation de l'école publique est dramatique, celle de l'hôpital public n'est guère enviable, pourtant les fonctionnaires redoublent d'efforts pour compenser le défaut de moyens. Attachés aux valeurs du service public, ils le font encore malgré tout tenir le bout. Rivoluzione, avanti un popolo alla stazione, rivoluzione.